l'ambiance qu'il y avait pour Post Malone hier soir, spectacle complet, électrique. C'est le mot qui me vient en tête. Oui, une heure avant le spectacle, les plaines d'Abraham étaient complètes. C'est la première fois cette année qu'il y a autant de monde. C'est 100 000 personnes pour voir Post Malone. C'était la tête d'affiche la plus attendue du festival. Il faut dire qu'il a interprété les chansons de ses deux premiers albums, qui est un petit peu plus hip-hop, mais on sait que Post Malone a plusieurs styles. Hein. Il a fait tantôt dans le rock, whoop, un petit virage country. On a pu entendre tout ça. Il a discuté entre chaque chanson, hyper généreux. À la fin du spectacle, il est même descendu dans la foule pour aller serrer la pince de certains fans. Ça a été un succès sur toute la ligne. Beaucoup de pyrotechnie aussi. Mais ce qui fait jaser ce matin, ce qui retient l'attention, c'est qu'il y a un Québécois de 25 ans qui s'appelle Félix Bergeron qui était dans l'assistance et qui a pu monter sur scène pour interpréter à la guitare la chanson Stay avec Post Malone. Voici un court extrait de ce qu'il a vécu hier. Félix Bergeron doit être sur un nuage ce matin. On a discuté cette nuit pour planifier cette entrevue. Il accepte à cette heure-ci de nous parler. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Félix. Allô, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, c'est quoi l'émotion qui t'habite là, maintenant que tu as pu monter sur scène avec Post Malone devant 100 000 festivaliers? Comment tu te sens ce matin? Je suis encore sur mon nuage, honnêtement. Tu parlais tantôt là, d'un spectacle... flamboyant, moi je dirais électrisant, j'ai envie de dire explosif, c'est un rêve un peu, tu sais, en tant que chansonnier pour le plaisir, puis de joueur de guitare, honnêtement, je peux pas imaginer mieux que d'être avec un artiste de renom comme ça sur une scène, puis de pouvoir partager ma musique avec lui. En fait, c'est plus lui qui m'offre cette chance-là, honnêtement. Félix, encore hyper fébrile. Raconte-nous comment ça s'est passé. Toi, tu t'es rendu sur les plaines d'Abraham. Tu étais dans l'assistante devant la scène. Comment ça s'est fait, l'interaction avec le chanteur? En fait, j'avais mis une pancarte. J'avais fait une pancarte qui disait « Est-ce que je peux jouer la chanson Stay avec toi à la guitare? » Il a remarqué cette pancarte-là dès le début du show. Puis lorsque c'est arrivé la chanson, là, il m'a appelé, je suis embarqué sur la scène, il m'a offert une bière, il m'a offert d'être très confortable, je me suis assis. Puis honnêtement, le reste de l'histoire, là, ça a été magique. Avais-tu de la difficulté à faire les notes? Est-ce que tu avais un tremblement? Comment ça se passait à l'intérieur de toi sur scène? J'ai appris la chanson dimanche dernier parce que c'est un de mes amis, Gabriel, qui m'avait parlé. Il m'a dit, pour ce moment-là, on a tendance à faire monter des fans pour jouer cette chanson-là à la guitare. Donc, c'est pour ça que je l'ai appris. Non, pas de stress par rapport à ça. Honnêtement, ça a bien coulé. Il a le don de rendre les fans à l'aise. Donc, vraiment, je suis très satisfait. C'était super bien été, selon moi, du moins. En tout cas, nous, on a vu les images. C'est sûr que ça a bien été. J'imagine qu'autour de toi, ça doit discuter pas mal là, ce matin. Hein? Oui, ce matin, j'ai beaucoup de messages, d'encouragement à quel point ils ont apprécié. Puis surtout en sortant du festival d'été hier, je me suis fait arrêter. Comme si j'étais une rockstar, j'avais juste fait une chanson. Là. Mais c'était un drôle de phénomène, mais c'était agréable. Wow! Ouais. Ça vaut la peine de s'impliquer quand on aime un artiste, finalement, c'est ce qu'on retient, à faire les pancartes, à porter les chandails, peut-être. Ça vaut la peine, parfois, on ne sait jamais les surprises qui peuvent nous attendre. Ben voilà, tu sais, je pense que qui risque rien n'a rien. Moi, j'ai tenté, je me suis dit, pourquoi pas apprendre la chanson, mais de deux, pourquoi ne pas faire une pancarte, puis lui présenter. Puis ça a donné que, justement, toutes les circonstances ont fait en sorte que j'ai pu apprécier. Les astres étaient alignés. Félix Bergeron, merci beaucoup. Merci de t'être levé tôt après une si courte nuit aussi. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci.